Comme vous pouvez le constater, les Libanais sont à cran. Prêts à tout, ils n'hésitent pas à forcer les portes. Tout cela uniquement pour récupérer l'argent sur votre compte. Sally Hafez a expliqué son geste. Je n'avais plus rien à perdre. Il y a 2 jours, je suis allée voir le directeur de l'agence. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que ma sœur était mourante. Il m'a répondu qu'il pouvait me donner 200 dollars. Ce n'est même pas le prix d'une injection quotidienne pour ma sœur. J'en étais arrivée à un point où j'allais vendre mon rein pour qu'elle puisse se soigner. La situation économique est si tendue que les banques craignent de ne pas tenir si tout le monde retire ses économies. Sans aller jusqu'au braquage, nombre de Libanais sont remontés contre ce gel de leur avoir bancaire. Sally Hafez n'est pas la première et ne sera pas la dernière à nous expliquer comment elle vit la situation, ou plutôt comment elle survit dans ce contexte. Pierre fait référence ici à un lieu obscur. Je ne peux m'empêcher de penser au Liban. Que ce pays est mûr pour l'avènement de l'Antichrist. Dans l'épreuve, souviens-toi de cette parole de l'Évangile. Au temps de la fin, si quelqu'un vous dit le Christ Sauveur est ici ou il est là, je vais débloquer telle ou telle situation économique compliquée. Ne le croyez pas. Ne vous laissez pas séduire.